Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau One CC. Alors ici c'est le colonel et on va s'attaquer à un jeu assez particulier. Alors je vous passe le suspense de suite, c'est Next Machina et il s'agira d'un twin-stick shooter. Donc en fait il s'agira pas d'un shoot them up, hein. Mais le twin-stick shooter, à l'instar d'autres styles dérivés du shooting game, avec le shoot them up, ils font partie du canon des jeux qu'on appelle shooting game. Donc, on aura un peu le même principe de jeu que sur un 1CC pour un shoot'em up, ça reste un jeu type arcade, donc on a les mêmes genres de phénomènes à respecter. Donc on va s'attaquer à ça. Moi j'aurais bien voulu l'appeler un épisode, on va dire 1CC Gaiden pour l'occasion, mais bon, l'état-major a plutôt décidé de rester sur la partie classique du 1CC pour ce jeu-là. Donc on va le travailler comme un 1CC classique d'un shoot'em up classique, alors simplement, c'est pas un shoot'em up. Donc le principe c'est donc de pouvoir vous déplacer à 360 degrés dans des arenas shooter. Hein, donc c'est une zone, on va dire, fermée comme un écran fixe. Finalement, pas seulement un écran fixe, hein, vous pourrez vous déplacer très souvent au-delà d'un simple écran de jeu. Mais c'est quand même vous qui commandez le scrolling, du coup vous pouvez vous déplacer librement à 360 degrés. Il n'y aura pas de saut, c'est un overhead, hein, donc c'est vu d'en haut. Donc par contre vous aurez un dash qui est disponible absolument tout le temps dans le jeu du début à la fin. Pas besoin d'upgrade pour ça, on pourra l'upgrader son dash, mais vous avez un dash de base tout le temps disponible et qui vous permet de passer au travers, par exemple des lasers que vous avez à l'écran, des ennemis carrément, ou des motifs de tir, hein, des patterns de tir qui pourraient être déployés. Donc on va regarder un peu plus dans le détail, mais en gros un twin stick shooter c'est ça, c'est le fait de pouvoir déplacer à 360 degrés sur des écrans single, sur des, on va dire, des arena shooter, en modèle arena shooter, avec en plus la possibilité de tirer à 360 degrés aussi et indépendamment de votre mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez tirer vers l'arrière tout en avançant. Alors, l'avant, c'est vous qui le déterminez, hein, forcément. Le haut, le bas, le gauche, le droite, ou les diagonales. Et vous pouvez tirer à l'inverse de votre tir ou sur un côté. Enfin, on va le voir plus en détail dans ce tutoriel maison-là. Donc, vous êtes un motard avec une arme primaire utilisation illimitée. On va passer sur les humains, c'est pour le score uniquement. Donc là regardez, vous avez une petite jauge qui apparaît dès que je fais un dash, un petit arc de cercle au-dessus de mon avatar qui apparaît et qui se remplit. Une fois que c'est rempli, vous pouvez réutiliser, c'est le cooldown en fait, hein, de votre dash. Donc, le dash vous permet de passer à travers les ennemis et les patterns, donc il va falloir savoir agencer ce dash là pour pas se retrouver coincé en plein milieu d'un groupe d'ennemis à la fin de votre dash. Chaque fin de tableau est déclenchée par la destruction du dernier ennemi du tableau, qui sont des ennemis fixes. Là, je viens de récupérer dans la caisse une option d'arme secondaire qui a été perdue puisque j'ai pris un miss. Alors, sur le miss, vous avez mon armement secondaire qui est resté à l'endroit où j'étais mort. Hein. Vous pouvez le récupérer en réapparaissant dessus. Il faut bien voir la subtilité pour les armes secondaires, c'est que quand vous les récupérez dans une caisse, elles tournent cycliquement. Vous avez 5 types différents d'armes secondaires que vous pouvez trouver. Si vous les perdez sur un miss, comme je l'ai fait tout à l'heure, elles se figeront sur l'arme sur laquelle vous étiez équipé vous juste avant. Donc là typiquement la smart bomb, si je la perds, la smart bomb, et là c'est le cas, vous voyez, un miss. Donc vous voyez en bas à gauche du HUD, j'ai perdu l'arme, hein, qui est normalement dans le rond central. J'ai seulement un de mes 5 triangles qui est en bas qui est actif, je l'expliquerai juste après. Donc là j'ai pu la récupérer, c'était la smart bomb elle allait pas tourner, elle allait rester fixe jusqu'à ce que je la récupère. J'aurais pas pu l'échanger pour une autre arme. Bon, là j'ai récupéré un bouclier que j'ai reperdu de suite, comme ça vous voyez son sens d'action. Il y a un bon recover quand même, hein, quand on prend le hit, hein, donc il faut quand même s'échapper. Donc je vais revenir dans le HUD maintenant. Le HUD en bas à gauche, hein, vous avez donc votre arme avec sa jauge qui permet son utilisation, c'est-à-dire qu'elle se re-remplit, une fois qu'elle est re-remplie, vous pouvez de nouveau l'utiliser. Vous avez ensuite 5 triangles. Vous voyez, je viens d'en remplir un avec le dash explosif que je viens de récupérer, la rue explosive. Alors vous voyez, je fonce dans les ennemis et ça explose. Enfin, je suis en fin de dash. Et ça vous permet une invincibilité plus de faire du dégât en même temps sur les ennemis. Alors par contre, attention, j'avais qu'un seul dash. Là, mon dash, il est parti sur les ennemis. Et ensuite, j'ai fait un mouvement vers la droite qui s'enfonçait dans le reste du motif des ennemis. C'est ce qui m'a détruit. Hein, c'est pas le dash explosif m'a sauvé. Mais après, j'aurais dû retourner sur la gauche au lieu d'aller vers la droite. Vous avez qu'à vous repasser l'action, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc là voilà, on revient sur ce HUD. On récupère donc dans ces triangles des options d'armes qui seront à chaque fois les mêmes. Hein. Vous avez deux éclairs, c'est pour l'étendue du tir en termes de spread et l'étendue du tir en termes de longueur.
Là, je déclenche une entrée secrète. Hein. Vous avez vu sur l'écran, on sort du HUD. Le signal sonore que vous avez eu, c'était pour dire que vous avez débloqué une zone secrète. On ne le fera pas pendant le 1CC. Parce que ces zones secrètes, elles vont juste être là pour le score. Elles vont vous rajouter des tableaux supplémentaires qui sont normalement, on va dire, facultatifs. Et donc, ça va faire potentiellement des miss facultatifs aussi. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur des tableaux où il y a des ennemis qui ne sont pas prévus d'être là normalement. Des tableaux entiers qui ne sont pas prévus d'être là normalement. Donc, si vous voulez taper ces niveaux, ça fera du risque supplémentaire, forcément, mécaniquement. Donc, on va les éviter, nous. Puisqu'on ne va pas considérer le point. Sachant que le point est là que pour le point dans ce jeu. Vous ne récupérerez pas de bonus de survie par rapport au point. Donc, si vous faites du point, c'est uniquement pour du score. La survie pure, elle s'entend sans considérer les points. C'est vraiment typiquement le cas. Donc on va continuer. Bon, vous voyez mon arme secondaire que j'utilise énormément. Hein. Là, j'ai rempli quasiment tous les triangles en bas, donc du HUD. C'est-à-dire que j'ai mes deux étendues d'armes, plus mon dash explosif, plus le triple dash que je viens juste de récupérer, plus le bouclier qui est au centre. Et le bouclier, c'est la seule arme secondaire, on va dire, que vous pouvez perdre en prenant uniquement un hit et non pas un miss. Vous perdez votre bouclier à chaque fois que vous prenez un hit. Et si vous n'aviez pas encore de bouclier ou si vous venez juste de perdre votre bouclier, vous reprenez un hit et bien vous prenez un miss. Avec un respawn immédiat et en perdant un des éléments d'arme que je vous ai dit en bas. Ça peut être un des quatre éléments qui vont rester dans les triangles ou l'arme elle-même secondaire. Voilà, donc là on a déjà vu une bonne partie du gameplay, tout ce qui va être important. Il y a une grosse partie du HUD que j'ai pas traité en haut à gauche, vous allez voir, elle est très vite explicite. Bon là, le menu débutant, le mode débutant c'est le mode par défaut. Nous on va partir sur le mode expérimenté qui est déjà le build. Hein. Mais alors le mode vétéran, il est très très costaud, les ennemis vont beaucoup plus vite et tout ça. Le seul truc c'est que le mode débutant j'aurais pu le garder comme mode par défaut, mais il y a un stage en moins. Il y a le monde 6 qui n'existera pas, le monde 6 n'existera pas dans ce mode de difficulté là. Donc j'ai préféré vous donner quand même l'expérience complète et quitte à partir sur un mode de difficulté qui est pas par défaut. Hein. Là où ça s'appelait débutant, c'est le mode par défaut, le débutant. Bon là on part sur le mode qui est au-dessus, mais ça va, il y a encore faisable. Après à partir de vétéran ça commence à être quand même carrément chiadé. Donc comme vous pouvez voir, on peut tirer un peu partout, on peut même détruire certains éléments du décor, ça peut être salvateur pour récupérer des items à droite à gauche, souvent des items de vie supplémentaire, d'extinct supplémentaire. Alors on va finir avec le HUD, vous voyez en haut à gauche. Alors là déjà vous voyez, je tire avant d'arriver sur le HUD, sur la partie qui aurait dû déclencher normalement le niveau secret. Mais comme vous le voyez, je ne l'ai pas fait, et à dessein, c'est volontaire. Donc on peut remarquer aussi que les ennemis, quand vous les avez détruits, le dernier ennemi qui restera à l'écran, il sera drapé de rose en fait, pour signaler que c'est le dernier ennemi qui reste à l'écran et qu'une fois que vous l'aurez détruit, vous passerez au tableau suivant. Donc c'est pour vous permettre de récupérer tous les bonus qu'il faut avant de sortir du tableau en gros. Mais c'est surtout une considération de scoreur, ça, pas tellement de survie, parce qu'il faut voir que tous les items qui seront pas liés directement au score, de toute façon si vous finissez un niveau prématurément, ils arriveront vers vous, voilà, comme vous avez dû voir à la fin là, ils seront attirés vers vous, aimantés de toute façon même s'ils sont à l'autre bout du niveau. Ça c'est vrai pour tous les items de puissance et non pas les items de score. Les items de score typiquement c'est des X en fait qui vous rajoutent le multiplicateur. Alors je vais revenir sur le HUD. Le HUD en haut à gauche, hein, ça va être vite vu. Vous avez les casques de moto qui représentent vos extraits. Tout simplement, donc c'est 5 maximum. Hein. Ensuite vous avez le numéro du tableau, alors du monde tiré du tableau. Donc là c'est monde 1, tableau numéro 5. Typiquement. Ensuite, vous avez une horloge hein, qui vous permet de savoir où vous êtes au niveau du temps. Sachant que pour le score, c'est important aussi le temps. C'est pas très important, mais c'est quand même une des caractéristiques à considérer. Donc nous, encore une fois, ici, on va pas vraiment le faire. Et ensuite, on a la droite du HUD. Alors, la droite du HUD, vous avez votre score, hein, bien entendu. Et ensuite, un premier multiplicateur, c'est le multiplicateur général. C'est celui qui multiplie tout votre score pendant le jeu, en fait. Qui ne peut pas se perdre. En fait, au pire, il peut se figer. Ce multiplicateur là, il est x7, il peut se figer si votre combo humain qui est juste en dessous s'arrête. Donc vous comprenez bien que les humains en fait il va falloir les récupérer. Vous voyez, c'est bonhomme qui se balade là avec récupérer, là. Bon, il faut les récupérer à un intervalle assez régulier. Faut essayer qu'ils puissent passer pour pas détruire sa jauge de combo humain et également tous les récupérer dans le niveau. C'est une considération uniquement de score. Ça. Nous les humains, ils n'ont aucun intérêt pour tout ce qui est. Survie, donc moi je les récupère là à droite à gauche, mais vous n'avez aucune nécessité de les récupérer. Il faut bien voir par contre que votre multiplicateur, je disais qui est en haut, il ne peut que continuer à s'augmenter quand votre combo humain sera actif. C'est-à-dire s'il retombe à zéro, le combo humain lui peut se casser, et bien votre combo principal n'augmentera plus. Mais il ne redescendra plus, comme je vous l'ai dit.
Le seul moyen de refaire descendre votre multiplicateur, c'est de prendre un mi. Si vous prenez un mi, ça va vous diviser par 2, je crois, votre multiplicateur, ou alors peut-être pas par 2, mais en tout cas, ça vous enlève quelques crans de multiplicateur. On va dire ça comme ça. Mais encore une fois, ça, gardez-le dans la tête, dans un coin de votre tête, pour si jamais plus tard vous voulez venir à scorer sur ce jeu. Et là, on va s'arrêter là. Donc, le petit serpent là, qui est apparu et qui a fait un tracé laser, hein, qui a été rémanent là. C'est un ennemi qui viendra sur beaucoup de tableaux différents. Attention au laser, hein, le laser d'où il pointe en haut à droite là. Si vous le détruisez, vous risquez de libérer le tableau bonus. Un tableau bonus en fait, et du coup, je vous conseille de pas le détruire. Les lasers là, ils sont pas nécessaires. Les tourelles en général ne sont pas obligatoires à être détruites pour passer au niveau suivant. Il s'agit uniquement des ennemis qui seront pendant le niveau. Là, comme vous pouvez le voir, le laser dont je vous parlais n'avait pas été détruit et pourtant on est bien passé sur le tableau suivant. Bon, on va essayer de finir maintenant avec le HUD et puis ça sera complètement terminé. On revient en bas à gauche du HUD et vous voyez une espèce de jauge qui se remplit en dessous des 5 triangles. Cette jauge-là, tout simplement, elle se remplit en détruisant un certain nombre d'ennemis. C'est un nombre d'ennemis à détruire, hein, ou d'éléments de décor. Et en fait, une fois qu'elle sera arrivée au bout, elle permettra de déclencher un item. Alors au hasard, quand vous n'avez aucun item encore coupé. Et ensuite, un item de bouclier, généralement, c'est-à-dire que... Tous vos triangles qui sont dans la chute en bas à gauche là, si vous les perdez ou si vous les avez pas encore équipés, bah, cette jauge va les déclencher, va déclencher leur apparition. Donc là, typiquement, comme le seul élément que vous pouvez perdre en ne prenant qu'un hit et non pas un miss, c'est le bouclier, bah, vous comprenez bien que cette jauge elle vous servira à faire réapparaître le bouclier quand vous l'aurez perdu. Globalement, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors pour chaque boss de fin de niveau, ça sera souvent le dernier tableau du monde, et en fait vous avez dû constater le tableau juste avant, vous aurez un changement de perspective pour vous le signaler, ça un peu en vue on va dire de TPS, et ça vous permet d'appréhender ce dernier niveau. Alors le dernier niveau, en général le boss n'apparaît pas tout de suite, il y a quand même des minions on va dire qui apparaissent pour vous gêner, et en même temps de ça vous aurez toujours la possibilité de changer d'arme secondaire et aussi également de récupérer un bouclier en général. Voilà. Donc là vous avez vu l'ennemi, il était vraiment pas compliqué. J'ai quand même changé d'arme entre deux secondaires pour vous montrer l'utilisation du détonateur, qui est à peu près la même fonction que la smart bomb, c'est-à-dire ça vous fait une espèce de sphère qui va vous protéger des boulettes et qui va les canceller les boulettes ainsi que les contacts ennemis et va détruire les ennemis, hein. Sauf que celle-là, la différence de la smart bomb, ben vous allez pouvoir la balancer. C'est-à-dire, ce que j'appelle smart bomb, c'est l'arme secondaire qui s'appelle smart bomb, c'est pas une vraie smart bomb. Ne faites pas la confusion. Donc du coup, mon détonateur, là, l'arme secondaire que j'ai récupérée sur ce boss 1, ben, en fait c'est la même fonction, sauf que il va balancer cette sphère au loin, et il va falloir la redéclencher pour la rendre active. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors c'est une arme qui est bien offensive tout en étant défensive, donc je conseille plutôt celle-là et le laser classique, pas le méga laser, attention, moi je prends le laser classique, vous avez vu au début. Je jongle beaucoup entre ces deux armes là qui me semblent les meilleures quand même. Après il y a le bazooka qui est assez facile d'utilisation aussi, mais je la trouve trop peu puissante, moi j'évite de la prendre, et puis elle est pas défensive, hein, donc bon, on continue gentiment le chemin. Alors vous voyez qu'il y a certaines phases où il va falloir détruire un ennemi clé en particulier pour faire apparaître une partie de dalle pour continuer à pouvoir avancer dans le niveau. Ça arrive souvent, ou les ennemis comme vous venez de voir là qui peuvent s'enfuir, en fait, se cacher. Donc encore une fois, les serpents, hein, qui apparaissent avec le tracé laser là, je vous l'annonce, c'est des ennemis facultatifs, vous pouvez les laisser sortir de l'écran, vous n'avez pas besoin de les détruire pour passer au niveau suivant. Moi j'ai détruit uniquement pour du score. Je donne un vraiment mauvais exemple, mais il faut voir que le 1cc que vous faites là, c'était une des parties que j'ai faites il y a peu de temps. J'ai repris le jeu en pensant pas faire un 1cc, en pensant juste m'y remettre au jeu pour me remettre un peu en jambe. Ça fait un an, je crois, que j'avais parti à ce jeu-là, qui est mirifique, hein, vraiment un ex machina, je vous le conseille absolument, vraiment que vous y jouez à ce jeu qui est fantastique, hein, qui est très souvent en promo en plus, hein, en dématérialisé, donc le jeu qui traîne du coup, il doit coûter 5€ en promotion, je crois, donc allez-y, hein, pour la qualité de jeu que c'est, 5€, mais... C'est comme si on vous filait un cave à 5€, quoi. C'est vraiment ça. Donc du coup, niveau polish, hein, niveau... Mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que du coup, cette run-là, je l'ai pas faite spécifiquement pour un 1cc, donc vous voyez bien que je reste à chasser quand même le score, les humains et tout ça. Je vous conseille de pas le faire, parce que c'est l'embrouille. Alors attention, ces ennemis, là où je viens de prendre le miss, là, hein, ces ennemis double cercle, là, un peu, qui vont réapparaître, hein, vous allez voir. Si on n'arrive pas à les détruire bien, là, les espèces de double toupie là qui arrive vers vous,
Il se divise en deux, après coup, vous voyez. Et quand il se divise en deux, ils ont une nuée de boulettes qui suivent en queue, là, qui est vraiment dangereuse. Hein. Donc on peut les détruire du premier coup, que ça soit avec le dash explosif ou avec une arme secondaire. Il faut vraiment bien doser son tir, il faut vraiment arriver au centre de l'ennemi. Faut avoir une espèce de vista là-dessus, faut essayer de... Ben, vous voyez les cercles qui représentent le mortier qui va tomber à l'écran, là. C'est ce genre de choses qu'il faut essayer de s'imaginer, voilà. Là, par exemple, je l'ai eu en plein centre, vous voyez. Et là, encore une fois. Ben, je l'ai raté. La première fois, je l'avais bien eu, et juste après, je l'ai raté. Donc, vous pouvez voir vraiment ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en déplaçant mal son dash explosion ou en détruisant mal avec le tir secondaire l'ennemi, il ne se détruit pas complètement et il va lâcher ses deux parties annexes là, qui sont dangereuses et qui, généralement, ne vont pas vous pardonner, vont détruire. Donc, faut se méfier de ça. Une fois qu'on a perdu son bouclier, on essaie vraiment de se mettre en mode surtout. Hein. Pour essayer de pas prendre un miss et de pas diminuer son niveau d'armement. Parce qu'après, il y a le phénomène. Il y a pas mal le phénomène à la compile, hein, c'est-à-dire qu'on perd rapidement de la puissance et du coup, on a beau avoir beaucoup d'extends et beaucoup de possibilités de choper des extends dans le jeu. Une fois qu'on a commencé à enchaîner les miss, c'est le but de la fin. Hein, ça devient très dur à remonter. Donc, faut essayer de vraiment limiter les miss, on va dire. Encore une fois, la même erreur, hein, et après coup, j'ai pas fait l'erreur. Bon, et là, très très mauvaise vista, hein, j'ai pas vu que j'allais me prendre l'ennemi en sortant du dash. Sachant que j'ai mon triple dash. Là, je me suis pas rendu compte encore, je pense, parce que sinon je l'aurais utilisé, mais j'avais mon dash explosif, ma ruée explosive, ça s'appelle ça ruée en français, et j'avais ma ruée triple aussi. Et la ruée triple, j'aurais très bien pu la bourrer, en fait, hein, pour me sortir de l'impasse où j'ai pris le miss juste avant. Faut pas oublier de le faire, hein. Au pire vous bourrez le dash, triple dash, pour vous sortir d'une situation qui vous semble inextricable, ou en tout cas où le premier dash ne vous a pas permis de vous mettre en sécurité. Bon, bien sûr, si vous utilisez votre triple dash après le cooldown, il va être pour les 3 dash, donc il va être un peu plus long, hein, mais il est représenté par la même jauge qu'au début, sauf qu'elle est divisée en 3 maintenant. Vous pouvez le constater à chaque fois que je vais dasher. Les espèces de cubes jaunes et noirs, là, je crois pas que j'en ai encore parlé, mais c'est vraiment, encore une fois, pour du score, donc ça, ne les considérez pas. À l'instar de ces espèces d'araignées, là, qui arrivent au début, qu'on appelle perturbateurs, hein, qui sont vraiment très utiles. Tout ça, ça va dans la même logique que les serpents bonus, là, qui sont facultatifs, là, c'est du facultatif, c'est pour le score. Vous, ce qu'il faut détruire, c'est les ennemis, les tourelles quand elles vous gênent trop, et les ennemis qui sont forcément. Donc là, par inadvertance, j'ai récupéré une arme secondaire qui s'appelle l'épée, qui est vraiment nulle à chier, moi je trouve. Hein, elle est sûrement très bonne pour les gens qui savent manier au niveau expert, qui savent vraiment faire du corps à corps sur le jeu. Mais moi, c'est pas encore mon cas, donc du coup, je la trouve vraiment pas terrible cette arme. Je vais essayer de récupérer une autre arme dès que possible, parce qu'elle est vraiment pas terrible. L'épée. Elle a une portée vraiment 10 fois trop courte, comme vous voyez. Bien avoir la démonstration de ce que c'était ce porté. Donc là, je vais essayer de détruire du décor pour récupérer voilà une arme secondaire, hein, comme vous pouvez voir. Alors là, j'ai récupéré par dépit la lance-roquette avant que l'option disparaisse. Hein. Mais bon, lance-roquette est déjà largement mieux que l'épée. Hein. On a quasiment à chaque niveau ou à un niveau sur deux la possibilité de changer d'arme comme vous pouvez le voir. Et là c'était sur le boss, donc sur le boss c'est systématique, hein, à chaque fois c'est la possibilité de changer au moins une fois d'arme. Donc là j'ai récupéré le détonateur qui est très très bon, qui va permettre en plus de se défendre un petit peu. On n'oublie pas l'utilisation du dash explosif, hein, pour clearer encore plus vite l'écran, pour essayer de non pas esquiver les ennemis mais plutôt leur foncer dedans en fait. Donc là vous avez vu, j'ai utilisé le détonateur pour détruire une des tourelles qui lançait vers moi, une des tourelles laser qui aurait descendu. Alors sur cet ennemi là, je conseille plutôt quand même le détonateur qui passe à travers tous ses tirs comme vous pouvez voir, ou le laser qui passe pas à travers de tous les tirs mais qui permet quand même de le détruire très très rapidement. Après les autres armes elles sont un peu compliquées, notamment le bazooka qui vont s'arrêter sur chacun de ces rochers là. Vous voyez tous les rochers qui vous balancent ou qui vous balancent pas, de toute façon ils arrêteraient votre tir de bazooka ainsi que votre tir laser. Conseille de faire attention là-dessus. Mais bon, il y a moyen, comme je vais vous le montrer maintenant, de monter un petit peu à l'opposé de là où se trouve le boss, c'est-à-dire comme je fais là, et de jouer plutôt les hauts d'écran. Vous voyez où il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Donc, ça paraît impressionnant, mais la plupart des boss, les 3-4 premiers boss, en tout cas, ils sont quand même plus impressionnants que dans le jeu. C'est plutôt de l'esbrouf, mais c'est vrai qu'à l'écran, c'est impressionnant. Comme c'est rose flashy et que ça prend une grosse place à l'écran, tous ces motifs, ça paraît compliqué, en fait. C'est des couloirs énormes. Pas de danger du moment qu'on panique pas.
il faut surtout pas oublier que vous avez votre triple dash et en plus explosif qui vous permet de quand même faire le tri. Notamment là par exemple le dash explosif aurait pas vraiment permis d'atteindre le boss, mais vous auriez pu atteindre les tourelles qui vous lançaient avec le dash explosif. Au lieu de les esquiver et de passer au travers, vous auriez pu carrément les faire exploser. Bon, c'est une possibilité. Voilà. Après moi comme je vous ai dit, je vais quand même plutôt jongler entre l'arme secondaire laser et l'arme détonateur, mais s'il y a d'autres armes qui vous semblent plus faciles d'utilisation, vous êtes plus à l'aise avec, n'hésitez pas, hein, vous faire comme vous sentez vous. Il n'y a que l'épée qui me semble vraiment une arme experte, celle-là je pense qu'il faudra l'éviter. Mais par exemple la smart bomb est excellente. La smart bomb c'est comme pour le détonateur là, sauf qu'en fait vous pouvez pas la lancer, elle va se déclencher toute seule sans que vous ayez besoin de la remote control, hein. Vous n'avez pas besoin de la lancer puis de la déclencher. Vous appuyez sur le bouton smart bomb et ça fera la sphère complète autour de vous. Alors le problème c'est que ça va bloquer votre mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez pas le faire tout en bougeant. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en bougeant, mais ça va arrêter votre mouvement au moment où se déclenche la smart bomb. Donc c'est pareil, il y a un coup à prendre quand même. Mais c'est certainement l'arme qui vous permet de le mieux se protéger. Clairement. Je pense que dans les modes de difficulté supérieure, quand on n'est pas expert, c'est certainement la meilleure arme. Mais bon, elle n'est pas offensive. Donc moi je vous conseille quand même d'utiliser une arme offensive qui vous permet aussi de vous faciliter la vie. Dans le sens, je détruis tellement vite l'adversité que du coup elle a pas le temps de vraiment me lancer les motifs les plus compliqués. Attention à ces espèces de roues là. Vous avez dû voir, une fois détruite, elle a une phase suicide où elle vous fonce dessus. Vous pouvez l'éliminer ça. En détruisant l'ennemi, en détruisant en fait un peu à la Raiden 4 Overkill, en vous acharnant sur le cadavre de l'ennemi avec votre arme secondaire. En fait. Soit en faisant ça, soit en fonçant dessus en faisant un dash explosant. C'est-à-dire soit un dash explosant dès le départ et ça fera complètement, soit le faire une fois qu'il est dans sa deuxième phase, là, une fois qu'il est en feu, et ça marchera tout aussi bien. Donc là, sur ce tableau-là, je vous conseille quand même de détruire au moins quelques-uns des lasers pour libérer l'espace sur un des côtés. Soyez pas obligé d'être tout le temps au centre en train de jongler. Mais bon, comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous occuper du reste des lasers pour passer au prochain niveau. Donc, on essaie de les ignorer un maximum. Hein. Voilà la priorité. Hein. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Faut essayer de voir ce qui va être un coup qui va vraiment vous faire mal ou qui va marquer un point. Et tout ce qui est de l'esbrouf, tout ce qui est du vent qui va aller à côté, faut essayer de l'ignorer. Faut essayer d'avoir une vision périphérique qui est telle que ça vous permet de juste regarder les éléments qui sont dangereux ou qui sont potentiellement dangereux. Comme dans tout shooting game, hein, j'ai envie de dire. Mais là, faut peut-être un peu plus le développer parce que c'est un petit peu plus le bordel et puis on peut partir dans tous les sens. Donc, là, vous avez vu, par exemple, là j'ai raté mon dash explosion, mais l'intention était là, il était foncé dans les nuits. Faut s'en rappeler, faut essayer de le faire un maximum. Ça, voilà, comme là par exemple. Vous voyez que quand les ennemis apparaissent aussi, tant qu'ils sont pas complètement à l'écran, tant qu'ils sont en train de clignoter, vous pouvez passer dessus. Ça, faut pas se brider là-dessus, parce que c'est vraiment en étant pas précautionneux que vous allez réussir à faire quelque chose de bien. Si vous êtes trop à essayer de vous protéger là-dessus, vous allez avoir des hésitations de mouvement, et faut voir que ce jeu, il se joue à rythme effréné, quoi. Faut pas commencer à faire des petits mouvements de précautionneux, machin. Le seul truc que vous pouvez faire en termes de précautionneux, en étant précautionneux, c'est de ne pas considérer les combos humains, tout ça bien sûr comme vous dites, mais vraiment à un tel niveau que vous restez dans un coin du niveau tant que vous n'êtes pas sécure et vous laissez les ennemis venir à vous. Comme ça, ils peuvent pas vraiment vous avoir par surprise comme ils viennent de le faire là, en apparaissant. Le seul problème si vous faites ça, c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop de tourelles qui puissent vous tirer des trucs au loin, parce que vous voyez bien que les tirs ils viennent quasiment que des tourelles, mais la plupart des ennemis qui marchent vers vous, ils ne tirent pas. Ou très peu, et s'ils le font, ils vont s'arrêter avant, ils seront assez téléphonés là. Donc voilà. Là, vous avez un stage où c'est un petit peu. Faut un petit peu se dépêcher, mais comme vous voyez, pas non plus super PC, pourtant ça passe très largement, hein, niveau un peu la Indiana Jones là, ou à la Power Rumi, j'ai envie de dire que la Power Rumi c'est ça aussi, au niveau du stage. Voilà. Donc ça sera toujours le même principe, et un peu la règle d'or que j'ai envie de vous donner pour ce jeu là. C'est de bien identifier les ennemis, donc les plus dangereux comme je disais tout à l'heure, et de détruire les ennemis clés en fonçant dessus avec votre dash explosion, et ensuite vous occuper éventuellement les autres ennemis clés que vous n'avez pas pu avoir sur votre premier dash explosion avec votre arme secondaire, et ensuite vous occuper du popcorn qui va vous foncer dessus avec votre arme spread, on va dire. Parce qu'il y a quand même un truc avec le laser que je prends et que je vous conseille, hein, qui est pour moi une arme goldée, le laser classique, hein, parce que celui que j'ai là à l'écran, pas le méga laser, il a quand même un gros défaut, c'est que une fois qu'on l'a déclenché, il va complètement rigidifier votre façon de pouvoir pivoter votre centre de rotation du tir. Ça va vous rendre l'impression d'être dans un char solide. D'un seul coup, vous avez déjà dû le constater, mais ce qui fait que vous allez devoir plutôt
agencer vos déplacements d'une certaine manière pour aligner le tir sur les ennemis et pas les ennemis sur le tir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déclenché votre laser, et ben vous pouvez vraiment tourner à une vitesse mais ultra réduite, mais c'est genre le jour et la nuit. Donc c'est là-dessus qu'il faut prendre le coup. Une fois que vous avez pris le coup de ça, il faut rester sur cette idée de ce que je vous ai dit, c'est de repérer les ennemis les plus dangereux, les attaquer au dash explosion ou avec votre armement secondaire, et puis après vous vous occupez du fretin. Et tout en faisant ça, et ben, il faut essayer de débiter les lasers, les trucs, les mortiers, la lave éventuellement qui peut être au sol aussi, qui peut vous détruire. Bon là c'est pas le cas, hein, mais il y a des phases où ça pourrait être le cas. Quand je dis lave, c'est pas de la lave comme vous avez là à l'écran, c'est plutôt c'est toujours du rose, hein, ce qui peut vous faire mal de toute façon. Ça va être du rose fluo, mais une espèce de... comme un laser qui serait allé sur le sol et qui va faire du résiduel sur le sol et qui va faire comme s'il avait fondu le sol. Voilà, c'est ça que j'appelle la lave. Ça vous l'aurez plutôt vers la fin du jeu. Ben là, typiquement, par exemple, ce qu'il fait dans cette espèce d'étoile de mer, là, dessinée rose fluo, là, c'est ce que je voulais dire. Et vous l'aurez sous d'autres formes plus loin. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, le boss, quand il vous fonce dessus, il fait un espèce de spread qui est complètement aléatoire de tir, donc c'est là où il faut dasher. Pour se protéger, si vous voyez que ça vous échappe la situation, vous dashez plusieurs fois et vous éloignez vraiment des monstres. Ensuite, eh ben, faut se foutre entre les tirs, hein, attendre là sur cette phase là qui déclenche son tir. Ah non, il a même pas fait. Ben, je l'ai détruit assez rapidement. Faut bien voir que moi je l'ai détruit rapidement parce que j'ai le laser qui est une arme très destructive, et aussi parce que moi entre chaque phase intermédiaire, le boss continue à la fuiter. Sa barre de vie ne s'arrête jamais, c'est à dire que même entre les phases où lui vous regarde, vous croise et il se concentre entre guillemets là, hein, entre ses phases de tir, entre ses patterns de tir, il est toujours sensible. Donc c'est là où il faut en profiter, hein, c'est pour lui en mettre plein la gueule et pour le faire durer le moins longtemps possible. Bon, encore une fois, c'est le boss 3 et c'est très très compliqué, mais plus ça va aller, plus ça va être dur. Et par contre, ça sera toujours le même principe, donc c'est bien ce qu'il faut que vous voyez. Ça sera toujours plus ou moins ce genre de boss là que vous aurez et vous allez le constater tout à l'heure. Limite, les trois premiers boss étaient plus différents les uns des autres que ce que vous aurez sur la fin, clairement. Après, quelle réalisation fantastique, quelle ambiance. Alors là, à partir de ce niveau 4, ben, là, c'est vraiment dans le jeu, vous avez ces cercles, ces lasers concentriques. Alors faut voir que là, par exemple, vous avez pas mal d'esbrouf sur les côtés. Toutes ces tourelles n'auraient rien lâché à partir du moment où vous ne les détruisiez pas. À côté de ça, vous avez également ces tourelles laser là, qui font une attaque téléphonée. Hein, vous les voyez venir, elles se tracent en rouge d'abord. Hein. Tant que c'est en rouge, c'est pas, vous n'êtes pas sensible au tir. Dès qu'ils se transforment en rose, c'est là qu'ils... c'est là qu'il devient dangereux pour vous. Attention quand vous détruisez donc les tourelles, comme ces tourelles au centre là, qui dès que vous les détruisez vont lâcher leur laser. Pour anticiper ce... Bon là c'était et téléphoné et en plein milieu de rien du tout, c'est-à-dire un grand stage bien ouvert où il n'y avait rien d'autre qui se passait en même temps. Et quand ça va se combiner avec d'autres types d'attaques des autres ennemis, ça va être compliqué à lire tout ça. C'est pour ça que le jeu est bien foutu, hein, le game design est vraiment bien foutu, c'est-à-dire qu'il commence par des niveaux qui vous montrent un peu ce qui va vous envoyer à la gueule plus tard, et puis après il augmente en cadence au fur et à mesure, il vous apprend à jouer, puis après il essaye à vous faire masteriser les possibilités de jeu. Vous voyez là, faut bien s'agencer les choses, exactement comme moi je viens pas de faire. Faut pas le faire comme moi je viens de faire, exactement. J'ai évité des lasers pour tomber dans le cercle du laser derrière, donc j'ai très très mal agencé mon déplacement dash. Sachant que j'aurais pu aussi bourrer le triple dash pour juste me rendre compte que j'étais tombé dans le laser concentrique, mais quand même m'en échapper. J'aurais pu. Mais faut avoir des bons réflexes. J'espère que vous suivez. Bon, après, vous avez vu, grâce à la jauge que j'ai expliqué au début en bas à gauche du HUD, vous pouvez assez rapidement, normalement, récupérer un bouclier quand vous vous êtes fait toucher. Donc, bon, les ennemis sont trop là, ils avaient l'air d'être dangereux en envoyant beaucoup, beaucoup de boulettes, mais faut voir que leurs boulettes sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles se détruisent assez rapidement. À la différence de celui-là, où ces boulettes ne se détruisent pas, elles vont juste au bout de l'écran. Ben, le gros modèle de cet ennemi-là, qui balance beaucoup, beaucoup de boulettes en centrale, là, leur étendue de tir, elle est très très faible. Elles se détruisent assez rapidement, ces boulettes, donc c'est pas si dangereux. Bon, après, vous avez vu, même si c'est encore une fois un intérêt très très faible pour le 1CC, les humains, il faut les récupérer, bon, avant la fin du tableau, sinon vous ne pouvez pas les sauver, mais également avant que certains ennemis clés les attaquent et les bouffent. Il y a certains ennemis qui vont carrément les attaquer. Comme lui là. Moi j'ai tendance à les sauver, mais en fait, comme je vous l'ai dit, profitez de ça justement, profitez du fait que ces ennemis clés du coup s'occupent pas de vous pour le moment. Laissez-les tuer les humains. Et puis voilà. Vous avez vu ce que je voulais dire, les ennemis là qui tirent à la folie là. Ben, leurs tirs en fait ils ont une étendue de même pas un demi-écran. Au bout du demi-écran, les tirs ils s'effacent tout seuls.
à la différence de ceux-là, comme vous pouvez voir, qui vont jusqu'au bout des coups. Alors, vous vous rappelez bien, le dash, il vous permet de passer à travers les ennemis ou de détruire les ennemis sur le dash explosion, mais il vous permet également de passer à travers ses lasers, à travers les boulettes aussi, sans souci. Hein. Donc, il faut toujours s'en rappeler. Un peu plus loin, ça sera pas le cas pour tout, parce qu'il faut voir qu'il y a certains lasers et certains tirs qui auront une forme différente, hein, qui seront bien repérés, hein, qui vont vous détruire même si vous dashez au milieu. Donc, ça, c'est des tirs qu'il faudra complètement éviter. Là, par exemple, j'aurais dû faire un dash explosion dans l'ennemi, mais je suis pas en train de regarder de ce côté-là. Il faut bien voir qu'il faut concentrer son attention aussi à l'endroit où vous tirez. Donc, à chaque fois, on peut se faire avoir à l'endroit où on n'est pas en train de tirer. C'est pour ça qu'il faut essayer de développer vraiment une grosse vision périphérique sur ce jeu-là, plus que sur un autre jeu. Et vous voyez, l'action, elle est frénétique, et puis c'est vraiment, mais c'est encore plus jouissif que ce que ça a l'air d'être. Hein. Je vous garantis, déjà, regardez, c'est sympa. Alors, à jouer, c'est complètement là. Enfin, c'est vraiment super jouissif, je veux dire, ce jeu, moi ça fait longtemps que j'ai pas pris un tel pied sur un Steam. Très honnêtement, ce jeu-là, si vous êtes passé à côté là et que vous continuez à passer à côté après Spawn CC, vous aurez raté un truc majeur. Moi je vous le dis, un jeu majeur du shooting game. Et alors majeur de chez les majeurs. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite dédicace à notre Shulfada, hein, que ça fait longtemps qu'il est plus chez nous, bah, ça fait un moment qu'il est plus repassé. Bah, j'espère que tout va bien pour lui. Et puis, bah écoute, si tu nous entends, Shulfada, big up à toi, hein, on te regrette. J'espère que tu repasseras nous faire un coup. Ouais, voilà, je fais une dédicace parce que lui il était complètement fan de ce jeu et puis je comprends pourquoi. Hein, et puis c'est vrai que moi à l'époque où il en avait beaucoup parlé, ben en fait tout le monde s'en battait les couilles. Hein, même sur je me fais voilà. Donc du coup ben moi quand j'ai eu l'occasion de m'y mettre après, hein, via un meilleur PC, parce qu'à la base j'avais un PC qui n'arrêtait pas de le faire tourner, et via ma PS4 maintenant, depuis que j'ai pu mieux être, ben c'est vrai que je reconnais que purée, quel jeu. Bon, allez, on est sur le. Alors vous voyez aussi là votre ennemi sur les boss, ça sera tout le temps vrai, mais pas tout le temps sur les niveaux, il faudra qu'il y ait des tirs qui apparaissent comme ça soit. Vous avez un petit cercle qui détermine votre hitbox au centre de votre avatar. Alors il correspond pas à peu près à la taille de votre casque de moto, mais il est positionné au centre, hein, c'est votre torse. Bon, vous avez vu tout à l'heure, je me suis pris le shuriken du boss. Après là, sur cette phase là, j'essaye d'éliminer juste la tourelle qui me gênait, qui était un peu trop près de moi, pour essayer de remonter. N'oubliez pas toutes ces phases intermédiaires, on continue à affûter le boss. Hein. Ça permettra de le faire durer moins longtemps. Donc là, c'est toute une question de timing pour passer au travers, mais là, je le fais de façon un peu sécure. Vous pourriez utiliser le triple dash pour arriver sur lui aussi, pour essayer de lui rentrer dedans au moment où il vous passe devant. Comme ça, ça lui ferait un dash explosion de plus. On peut le faire. Là, je pensais peu à le faire, parce qu'encore une fois, je reviens à ça. J'ai fait ce run là en pensant pas spécialement à un 1TC. Après coup, en enregistrant le truc, je me suis dit, ah bah tiens, je vais en faire un 1TC. Mais sur le moment, Mais disons que j'ai pas eu trop le temps j'aurais dû refaire la run, et la faire plus vraiment spécifique 1TC. Mais très honnêtement, avec tous les trucs que j'ai fait dernièrement, là, j'ai pas eu le temps. Je pense que je suis quand même assez actif sur le site, donc vous me reconnaîtrez ce truc là au moins. Donc vous comprendrez que voilà, j'ai pas eu le temps de refaire ma run. Didactique, mais je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, vous voyez, je me suis raté le timing. En fait, ce timing là, j'avais pas besoin de le rendre aussi serré. Il suffisait que je commence mon dash avant et que j'enchaîne les trois dash. Et c'était bon, ça passait. Parce que le cooldown des trois dash, vous avez vu, c'est la jauge, l'arc de cercle qui est au-dessus de mon avatar, qui s'est simplement divisé en trois. Il faut bien le comprendre comme ça. Voilà, et puis vous avez vu, de toute façon, il a deux phases en gros. Hein, ce boss, hein. Donc, vous avez vu que quand il vous fait courir autour de lui à 360, il faut agencer des dash pour pas se faire rattraper par son motif de tir qui est un petit peu plus rapide que votre déplacement. Et en même temps, esquiver le rayon laser circulaire. Hein, bon. Voilà. Donc là, par contre, bon, j'arrête pas de dire que j'ai pas fait cette run pour un WTC, mais par contre, comme ça faisait longtemps que j'y avais pas rejoué, bah, je vais être surpris par la toute fin du jeu. Déjà, vous allez le voir, c'est-à-dire que je m'attendais pas à me taper les derniers ennemis que j'ai tapé. Et en plus de ça, ben, j'ai essayé de quand même scorer un petit peu, mais disons que clairement, c'est pas non plus une run de score. Hein. Faut voir que moi, à la fin, je crois que je vais finir à 200 et quelques millions, mon personnel best, il est au moins le double. Voilà. Pour vous dire, hein, ça reste pas une run de 1CC, juste dans l'idée où je vais récupérer des humains. Et j'applique pas exactement ce que je vous ai dit qu'il fallait faire, mais c'est tout. Sinon, effectivement, là, je suis pas du tout en train de me la jouer puzzle snuff où il faut tout agencer avec le bon timing et compagnie pour tout maxer. Et de toute façon, très logiquement, puisque c'était un 1-6. Bon, cette fois, j'arrête de parler score, définitivement. Donc, attention, ces nouveaux motifs de tir qui arrivent. Alors là, c'était téléphoné, on l'a vu venir de loin et tout ça.
Et quand ça va se cumuler avec d'autres trucs, il faut bien voir qu'ils arrivent d'assez loin et des fois même hors champ visuel. Là, le laser que je viens de détruire, juste avant de passer le bleu, c'était la première itération de ces fameux lasers qui ne sont pas passables avec votre dash. C'est-à-dire que c'est des lasers et qui sont imbriqués, je sais pas comment dire, on dirait une espèce de chevelure plasma là qui passe au travers. Qui fait que autant le laser tout rose fluo vous pouvez passer au travers, autant le laser dont je vous parle là, vous pouvez pas passer au travers. Méfiez-vous de ça. Et de toute façon, ça va réapparaître et je vous en reparlerai. Attention à ces ennemis qui lâchent de la boulette suicide aussi. Là. On va se mettre dans les parties cardinales, l'axe cardinaux. Vous pouvez aussi éliminer le danger en fonçant dessus avec un dash explosion. N'oubliez pas, il protège le dash explosion grâce au recover du dash final, hein, de l'invincibilité du dash. Là, typiquement, la tourelle qui balance les lasers, elle est même pas destructible. Où là il va falloir composer avec du début à la fin. Là vous voyez ces espèces de missiles, ils sont quand même relativement dangereux comparé à... Donc voilà, là j'ai récupéré le bouclier. Quand vous avez un bouclier, vous pouvez y aller encore plus au contact, hein. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas votre bouclier, peut-être les missiles vont un peu plus. Là vous voyez, voilà, ce laser là, un peu imbriqué là, les deux, hein. C'est des lasers typiquement au travers duquel vous pouvez pas passer. Faites gaffe parce qu'ils sont carrément montés sur des ennemis mobiles là. Enfin bon, leur attaque est très téléphonée, il y a quand même un signal sonore et visuel bien clair, hein, donc on les voit venir, mais il faut s'en méfier. Ils se combinent avec les autres. Voilà, vous en aurez de plus en plus, hein, ces ennemis, de toute façon. Les serpents facultatifs, là, on essaie de... Alors là, il y avait des espèces de citernes, vous avez vu, qui explosent. Ça, on peut l'utiliser, on va dire, à bénéfice pour essayer de détruire le popcorn qui est à proximité. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je crois qu'ils sont même pas il est même pas nécessaire de les deux fois pour passer au... Il est même pas nécessaire des deux fois pour passer au tableau. Ben encore une fois, le talent qu'il va falloir développer dans ce jeu, c'est une façon de savoir qui détruire en premier. C'est savoir déterminer ses priorités de destruction pour se mettre le moins en danger possible. Il y a une autre façon de le prendre, c'est pour essayer de faire le plus de score possible. Vous comprenez bien que les deux approches sont assez antinomiques, en fait. Hein, sont assez antagonistes. Donc du coup, ça veut dire que si vous allez agencer la chose pour faire du score supplémentaire, ça va vous mettre en danger supplémentaire pour la survie, hein, forcément. Donc là, vous avez un nouveau type d'ennemi qui apparaît, qui est du simple popcorn, hein, mais par contre, qui arrive vraiment en meute. C'est vraiment des hordes entières de ça qui vont apparaître. Donc celle-là, bon, ben, faut plus se méfier. Au contact, ils vous détruisent, hein, bien sûr. C'est... Bien, ça rentre. Donc là, attention, vous avez une gerbe de plusieurs lasers indestructibles, enfin, impassables, mais par contre, il y a quand même un timer dessus qui fait que de temps en temps, il vous permettait de passer. Alors, vous voyez, hein, eux, quand ils... Attention au tapis roulant aussi. Hein. Là, vous le constatez peut-être pas, mais en fait, mon mouvement est altéré par les tapis roulants. Là, il faut se méfier, vous voyez, ça combine vraiment beaucoup de choses différentes qui étaient à la base balancées les unes après les autres, donc pour vous permettre de vous y habituer. Mais voilà, alors pareil, quand vous avez deux bornes de laser, comme ça, méfiez-vous, quand vous en détruisez une sur les deux, bah, en fait, au lieu d'éliminer le laser, ça va plutôt le faire continuer bien plus loin là où il n'était pas prévu d'aller. Donc attention, ça vous met encore dans un danger supplémentaire, potentiellement. Bon, après, il y a une petite astuce, mais j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais je vais quand même en reparler. C'est que votre combo d'humain, pour pas le... Quand vous voyez que vous êtes en fin de combo d'humain qui va pratiquement être fini et que vous venez de finir le tableau, il y a moyen de le remonter un tout petit peu pour passer au prochain tableau. C'est en faisant un dash juste au moment de changer au niveau du tableau. Vous allez voir, il y a une espèce de signal avec des cercles concentriques qui viennent vers vous quand vous finissez le tableau. Et si vous faites un dash à ce moment-là, ça vous donne un bonus de points, là, à ce moment-là. Et en même temps, ça remonte un tout petit peu votre jauge de combo humain. Bon, dis ça maintenant, ça y est, j'arrête complètement avec ces jauges de combo humain. Donc vous voyez, hein, s'agencer des passages, des endroits où on peut passer pour ensuite rassembler les hélicoptères d'un côté pour les avoir au laser, par exemple, très facilement au laser, ou simplement avec votre spread. Après, vous comprenez bien que si vous prenez plusieurs miss et que vous perdez votre tir spread naturel, là, votre tir primaire spread, et votre arme secondaire, ça commence à être vachement plus compliqué d'un seul coup. J'arrête pas de le dire, mais c'est ce qu'il faut éviter absolument, c'est des misses d'affilée. Alors vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on arrive dans le tableau juste avant le boss, c'est généralement le tableau numéro 14, c'est un tout petit peu différent d'un monde à l'autre, il me semble. Vous allez avoir une autre perspective. Il faut voir que dans le dernier tableau, celui qui sera juste après celui-là, la perspective sera telle et les ennemis seront tels que ça sera un tout petit peu compliqué pour la survie également. On va essayer de s'assurer la survie avec un triple dash, on verra tout à l'heure. Alors là, ce qu'il faut détruire, c'est
la tourelle centrale, hein, ce qui clignote, hein, ce que vous voyez. Mais moi, en même temps, j'essaie de détruire les modules, les espèces de pattes. Hein. Vous voyez, je viens d'en détruire une, là, par exemple. Je détruis les deux qui sont le plus proches de l'unité centrale parce que je peux me permettre de détruire les deux en même temps grâce à mon laser. Sinon, je m'en occuperai même pas. Je vous dis, c'est franchement. Il vaut mieux se dépêcher de détruire son unité centrale plutôt que d'essayer de se faciliter le déplacement en détruisant les parties annexes, parce que sinon vous allez passer votre vie à détruire que les parties annexes. Donc là pour l'instant, comme les lasers sont des lasers pleins, des lasers classiques, on peut passer au travers comme je l'ai fait là. Attention, tout à l'heure ça va se comprendre. Et vous allez voir ce que je voulais dire aussi par rapport à des espèces de lasers rémanents, les espèces de lasers qui vont fondre le sol, là, la lave dont je parlais tout à l'heure. Lui va m'en faire une attaque tout à l'heure, mais je vais pas m'en rendre compte. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au jeu. Bah là par exemple, voilà, typiquement le laser, je l'ai pas vu venir là, le laser bouge, on va dire le laser. Et après au sol, il y avait une espèce de laser émanant, qui est toujours là d'ailleurs. Bon, bah je me suis fait avoir là-dessus parce que tout simplement je l'ai même pas vu. Là regardez, suivez mon chemin comme j'ai fait là, passer au travers. Et ensuite, attention à ce fameux laser qui va fondre le sol, parce qu'il va réapparaître et je vais pas m'en rendre compte encore une fois, et je vais encore me faire bouffer comme ça. Là je suis en train de tout lire, en train de tout voir, là j'ai bien compris qu'il y avait un laser costaud à droite, donc je fais attention. Mais j'ai pas vu qu'il y avait l'espèce de laser voilà, qui fond le sol. Je sais pas. Dans ma vision périphérique du moment, comme je le considérais plus sur le moment, ben je me prends des misses et des misses d'affilée. Hein. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors sur les boss, c'est moins préjudiciable dans la mesure où vous êtes que sur un simple écran. Un écran qui ne bouge pas. Et du coup, vos armes, elles réapparaissent à l'endroit où vous êtes mort. Et donc c'est forcément à côté de là où vous allez réapparaître. Donc c'est un peu plus simple de prendre des misses d'affilée sur un boss. C'est plus permis que pendant un stage. Pendant un stage, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que si vous perdez vos armes à l'autre bout du tableau, qu'il faut aller les chercher à l'autre bout du tableau, hein, à la Dark Souls style, vous comprenez bien que c'est plus compliqué. Alors que sur le boss, bon. Par contre, maintenant le problème, c'est que j'ai beau récupérer tout mon armement, hein, là j'ai perdu seulement mon bouclier finalement, ben, j'ai perdu beaucoup d'extinct. Donc là, du coup, clairement, je vais passer en mode One CC, la vraie chose que j'aurais fait si j'avais réenregistré ma run pour le faire didactique réellement. C'est-à-dire que je vais considérer plus que la survie, les destructions d'ennemis sans considérer les humains ou quasiment pas, et surtout essayer de détruire un maximum de décors pour essayer de choper des extants cachés dans le décor. Voilà. Donc là, par exemple ici, bon là il n'y en avait pas, mais je vais essayer de débusquer des extants cachés pour essayer de me refaire un stock d'extants, parce que là j'ai plus que deux extants. Donc comme j'y ai fait allusion au tout début, ce monde 6 là, bon, vous voyez 6-2, donc c'est monde 6 tableau 2. Il n'existe tout simplement pas dans le mode de difficulté débutant. Hein, vous auriez fini sur l'architecte hein, de tout à l'heure, le boss 5. C'était le boss final du mode débutant. Donc, et puis tous les autres modes de difficulté après, ben, ce mode-ci, s'il existe, ça sera le dernier monde. Hein. Donc vous voyez, là, je fais vraiment que de la survie. Je fais vraiment que je récupère à la fin l'humain, manière de dire, mais j'ai déjà pété mon pauvre humain depuis un moment. Et de toute façon, c'est vraiment pas ça que j'étais en train de regarder. Donc dès que j'ai des tourelles... à laser concentrique, j'essaie de les détruire rapidement pour qu'elles lâchent leur tir et qu'elles ne gênent pas plus que ça plus tard, pendant le niveau en fait. Et ensuite, eh ben, comme je vous ai dit, ennemi clé. Donc il y a une hiérarchie des priorités à avoir, comme je suis en train de faire. Hein, vous voyez, première tourelle, ennemi clé. Je vais essayer d'aller vers détruire l'autre tourelle qui va vite me casser les couilles normalement. Et après, je m'occupe du reste des... Toujours comme dans tous les autres niveaux, quand c'est le dernier ennemi du tableau, il passe en rose pour vous l'indiquer. Il faut bien comprendre que tous ces ennemis ils n'apparaissent absolument pas aléatoirement. Hein. Il y a un nombre défini d'ennemis avec des positionnements définis. Ça sera toujours à chaque fois la même chose. C'est scripté de la même manière à chaque fois, à chaque partie. La seule différence, c'est la façon dont vont se déplacer les ennemis. Ceux qui sont appairés à votre déplacement à vous. Hein, suivant le déplacement que vous aurez à l'écran, forcément. Et sinon, c'est du 100% script. Hein. Donc là, on se méfie encore une fois de ces ennemis. Si on les prend mal, eh ben, on libère les parties annexes qui sont encore plus dangereuses hein, puisqu'elles lâchent une espèce de trail boulette hein. Et puis on avance, on est quand même pas très loin sur ce fameux boss 6, et vous voyez bien que ça se complique quand même un minimum, mais surtout parce que ça combine de plus en plus les choses entre elles qui sont dangereuses. Donc faut vraiment les prendre dans le bon ordre, c'est ce que j'essaie de faire hein. Bon, après les tourelles laser, vous voyez qu'elles sont très très téléphonées d'attaque. J'ai pas beaucoup utilisé le dash explosion pendant cette fin là, mais c'est ce qu'il faudra essayer de faire un maximum, et surtout si vous essayez au mode de difficulté encore supérieur. Parce que alors là, les ennemis vont carrément plus vite que vous. Là, il n'y a que les ennemis popcorn qui vont plus vite que vous, mais là, tous les ennemis clés iront plus vite que vous. Les ennemis popcorn vont fuser à une vitesse, je ne raconte même pas comment.
ils vont tirer plus vite, même les boulettes vont aller plus vite, mais ça ne tirera pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de tirs ennemis, ça sera les mêmes types de... Alors là, j'ai bien choisi d'abord en haut à gauche, parce que c'était là où il y avait des ennemis plus dangereux, c'est-à-dire les roues qui ont une deuxième phase circulaire, là, qui est une phase de suicide. Et ben, j'ai pu l'éliminer grâce à mon laser en secondaire. Si j'avais commencé par les ennemis du bas, j'aurais été plus en difficulté pour finir... Là, vous voyez, j'ai voulu considérer le serpent qui est parti sur le côté parce que j'étais un peu plus en sécurité, et je me suis pris un impact et j'ai perdu mon bouclier. Mais quand même, j'ai pu récupérer un bouclier juste après. Vous voyez que c'est quand même permissif. Alors là, ce tableau-là, c'est typiquement le genre de tableau que normalement, si vous essayez de récupérer tous les humains dans l'ordre et tout pour ne pas perdre votre combo humain, il est vraiment difficile. Alors que là, pour le coup, vous voyez, je me cache d'un côté, j'attends les humains. Oh, regarde, j'attends que la tourelle arrive vers moi, pas pressé. On s'en fout. On n'est pas là pour scorer, donc. Donc là, pareil, vous voyez la grosse tourelle au milieu, ben, on peut pas la détruire, mais la seule partie qui est vraiment dangereuse, c'est la partie double laser, là, le laser simple, le laser plein. On peut passer au travers. Donc, là, je suis quand même le mouvement, mais en vrai, je peux passer au travers, alors que de l'autre côté, je peux. Donc on se méfie quand même hein, des apparitions ennemies. Et voilà, alors là, c'est juste avant le boss, et vous voyez, la perspective va faire que c'est un peu dangereux ce double laser. Donc là, moi, je l'ai pris correctement. Mais au pire, vous balancez votre triple dash. Hein. Parce que votre triple dash, si vous l'enchaînez, il n'y aura pas de temps mort d'insensibilité. Vous pouvez très bien rentrer en plein milieu des boulettes sur toute la longueur du triple dash. À partir du moment où vous enchaînez bien le triple dash 1, 2, 3 d'affilée comme ça, il n'y aura pas de temps mort dans l'invincibilité. Donc vous serez invincible sur votre triple dash. Par contre, après, il va falloir recharger les 3 dash. Un peu plus vite. Donc là, vous avez vu, il y avait la tourelle au début qui était gênante, mais dès que vous avez détruit le reste des ennemis, elle disparaît cette tourelle pour laisser place au boss final. Pas de danger. Boss final qui est relativement impressionnant, mais je trouve pas plus compliqué que le boss 5. Moi, même limite un peu plus simple. Ben, carrément plus simple dans la mesure où il balance pas les trucs que j'ai pas vu venir tout à l'heure. Mais bon. Donc pour l'instant, ben, vous voyez ce qu'il faut faire. Typiquement, c'est assez clair, hein, je pense. Comme j'ai le laser, il fait pas très long feu. Alors là, attention, c'est une phase particulière. Vous voyez le parallépipède qu'il a tracé autour de vous, il va le résorber à intervalles réguliers, attention, là. Et là, je l'ai pas vu venir, et j'aurais dû dasher. Si j'avais dashé au bon moment, j'aurais pu esquiver. Donc là, j'ai perdu mon bouclier. Mais vous allez voir qu'il va me le refaire, et puis je crois que je vais réussir à agencer mon dash au bon moment. Ça va être au moment là. Là, j'ai pu esquiver. Donc à chaque fois que je passe au travers de lui pour éviter son tir, j'essaye de lui agencer des dash explosions dans sa gueule. Hein, parce que vous voyez qu'il est quand même assez imposant son sprite. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a même détruit sa deuxième phase sur cette action là. Il faut passer vous si vous voulez visualiser ce que je viens de dire. Et donc là on finit. Comme j'ai le laser, vous voyez, il y a des gros lasers sur les côtés qui vont arriver, qui vont essayer de poisonner, mais je l'ai tellement bien affûté depuis le départ que c'est quasiment pas un danger. Donc vous voyez, c'était quasiment une formalité ces derniers boss. Et là, vous avez réalisé le One TC. Du mode expérimenté de Next Pack. Mais le jeu ne va pas vous laisser tranquille pour autant, parce que vous avez un TLB sans condition que vous n'êtes pas obligé de détruire. Enfin, pas obligé. En tout cas, même si vous. Ben, d'ailleurs, ça va être le cas, vous verrez, je vais pas le détruire, parce que moi j'étais sûr. Je me suis dit, oh ben merde, il y a le TLB, je me rappelle même plus. Et ben en fait, qui est magnifique hein, d'ailleurs. Hein, en fait, en de tir superbe en plus. Bon, pas le premier là qui est basique, hein, mais ceux d'après, vraiment super. Mais bon, j'ai été surpris, donc je vais pas le passer, vous le verrez. Mais il n'est pas nécessaire de le passer pour faire un one credit. J'en suis absolument sûr de ça, parce que de toute façon vous allez voir, c'est quand même fin. Credit fin et tout ça. Ça sera juste la bad ending, on va dire. Mais par contre, c'est surtout que j'ai pu le confirmer. Là, vous voyez le tir rémanent lave, qui est bien visuel sur ce boss-là, vu que le fond est bleu. Donc ça, c'est bien pétard par derrière, donc là, c'est moins fourre. Vous voyez, super boss. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le tester, parce que... Quelle ambiance, hein, ce combat-là, quelle ambiance, hein, j'ai envie de me le retaper. Attention aux lasers intriqués, là, ils sont cachés. Bon, donc, voilà, ben, j'espère que ça vous donnera envie de jouer, mais quelle ambiance ce jeu-là, même sur la fin, vous voyez, quelle ambiance, c'est vraiment magnifique. Et alors, on peut quand même bénéficier du laser, hein, c'est ce que je fais, mais je sais pas si on a une autre arme, est-ce qu'on peut quand même la déclencher ou pas. Par exemple, est-ce que si j'avais mon master bomb ou mon détonateur, est-ce que je pourrais l'utiliser sur ce boss? Je ne suis plus convaincu, hein, je crois que non. Donc à voir, hein, je m'en rappelle plus vraiment. Bah écoutez, ça vous donnera peut-être une raison de récupérer lui. Et donc ce que je voulais dire, c'est que par contre ce TLB, vous l'aurez pas dans le mode beginner forcément, mais vous l'avez dans tous les autres modes de jeu, et si vous le détruisez, vous aurez la vraie fin.
Mais donc ce que j'avais oublié de confirmer, c'est que vous avez bien un 1cc dans le sens où j'ai déjà eu le trophée de 1cc du mode on va dire expérimenté en mourant sur ce TLB à l'origine. Donc ça vous prouve bien que vous faites quand même bien le 1cc puisque c'est le trophée s'appelle 1cc. Donc j'ai bien 1cc-ifié le jeu, mais j'ai pas réussi à détruire le TLB. Et vous voyez la fausse fin dans la mesure où Nex Machina est encore là, survivante, et elle va essayer de vous attraper à la fin apparemment. Alors que la vraie fin, c'est la base qui explose et puis votre motard qui arrive à retourner sur la Terre sans être inquiété par les espèces de tubes fibre optique. Voilà. Donc voilà, vous aurez vu une bonne partie du jeu. Alors j'espère que ça vous aura donné envie. J'ai pas arrêté de répéter, mais je vous invite vraiment à tester cette tuerie de shooting game. Il est fantastique ce jeu. Il est tout le temps en promo sur le PSN, ou très très souvent, et également sur le Steam Store. Donc si vous jouez sur Steam, sur PC, vous pouvez l'avoir pour 5€ ou très proche. Pareil sur PS4, il n'y a plus d'excuses les mecs. C'est sûr que si vous voulez une copie physique, ça va être plus dur à trouver en dessous des 80€, je crois, hein, avec les frais de port, c'est un truc comme ça le dessus du jeu, je crois, mais ça, vous n'avez pas besoin. Prenez-le en démat, il arrache. Ah, c'est un jeu fantastique. Bon, écoutez, je vais vous laisser là maintenant, et puis je vais vous dire, jouez bien. Et puis, à bientôt pour un nouveau 1cc. Allez, ciao, à plus. Burn through the kids.